Bonjour. Voilà, je ne sais pas si je lancerai cette rediff sur YouTube, mais dans tous les cas, je dis bonjour au cas où. Nous sommes sur WoW, sur Shadowlands, voilà, hein, ça fait bien une semaine que j'ai pas streamé parce que j'étais à fond sur WoW. Et là, pour ce retour de stream à moitié dans la maladie, un peu chelou, voilà, si vous aviez écouté le pré-live. Je me suis dit, allons farm un petit peu sur WoW, papoter sur WoW en farmant 2-3 choses, sans être trop stressé, quoi. Voilà. Donc, si vous ne connaissez rien à WoW, je vous rappelle qu'il y a toute une série de tutos où j'ai créé un perso niveau 1 jusqu'au niveau 50 pour apprendre les bases du jeu. Et si vous ne connaissez rien à WoW et que vous ne voulez pas voir les tutos, eh bien vous n'allez probablement pas forcément comprendre ce qui va se passer. Là, on est niveau 60. Je ne vais pas expliquer l'histoire du jeu. Je ne vais pas expliquer le gameplay là tout de suite maintenant. Je ne vais pas expliquer trop mes add-ons et tout ça. Là, on est là pour farmer un petit peu, tranquillement, pas trop longtemps, parce que au bout d'un moment, je vais mourir. Voilà. En gros. Alors pour ceux qui connaissent, j'ai donc choisi les Ventirs. Je suis à Tombevis. J'ai encore rien fait aujourd'hui, hein. J'ai encore rien fait. Il faudrait que j'aille faire ce rare ici. C'est un rare qui est lié justement au conducteur d'Anima. Si vous avez amélioré un petit peu votre... Enfin, si vous avez bougé un petit peu votre... Comment ça s'appelle là, le truc là-haut, l'Anima là, le réservoir d'Anima. Vous pouvez mettre l'anima ici. Et il y a un rare que je pourrais aller faire parce qu'il peut looter une monture. Il y en a aussi là-haut, mais c'est pas pour un rare, c'est pour un coffre. Donc on pourrait commencer par ça. Et ensuite, on pourrait farmer une monture ou deux à Sylvarden. Parce que j'en ai encore jamais eu. Voilà. Je sais pas au niveau du son, parce que le son, quand je joue de mon côté, est assez faible. Là, je le remonte un petit peu pour vous, mais on verra surtout quand il y aura un combat qui sera lancé. Alors, les Ventirs, hein, pour ceux qui connaissent pas bien, en gros, j'aime bien parce que j'ai dit il y a environ 30 secondes que j'expliquerai pas, mais j'aime bien quand même expliquer un minimum. En gros, on est sur des gens un peu vampires, mais très hautains, avec beaucoup de dédain. Déjà rien que quand tu leur parles, des fois ils te disent oh, à quoi vous ressemblez ou je sais pas quoi. Et on n'entend pas beaucoup. J'aimerais bien l'écouter. Des fois ils m'envoient bouler. Montrez-moi mon renom. Toi tu parles pas. Voyez donc mes marchandises les plus rares et convoitées de toute l'ombre terre. Bien sûr, monsieur. Pensez à moi si vous trouvez quelque chose de particulièrement exotique. Exotique. Bref, c'est des gens très sympas. Moi, je trouve qu'ils ont la bonne humeur. Et quel secret sera celui qui emportera votre âme? Voilà qui donne envie. Il vous reste du temps. Très bien. Est-ce que je prends cette quête maintenant? Oui, on les adore. Ouais, mais moi je les aime bien, je les aime bien. Bon, après, l'ambiance est un petit peu dark. J'ai peur que sur le long terme, ça me saoule. Ah, attendez. 33 minutes pour que cette mission soit terminée. On pourra la terminer en stream. Reta! Chut. Accomplissez 3 expéditions en Sylvarden. Bah, on va y faire un tour de toute façon. Je viens de commencer la session WoW, hein, à l'instant, ouais. Il y a vraiment 2 minutes, si tu viens d'arriver. Merci, quelles Indemar. Sont ces fonctionnalités étranges? Tu parles de WoW? Il y en a vraiment qui se dépassent à pied. Quel drôle d'idée. Et n'oubliez pas d'assurer la sécurité. Je viens de rejoindre le Discord, je suis super content de ne plus être seul. Eh bien, bien voilà, vous trouverez sans doute des gens sympathiques. Si vous êtes sub, il y a un channel exprès. N'hésitez pas à discuter là-bas. Voilà, je sais qu'il n'y a pas... En gros, sur ce Discord, on parle pas beaucoup. Hein. Je trouve qu'on est assez discret. Le channel du Discord se limite beaucoup à « Bonjour, ça va? Oui, et toi ?» Donc n'hésitez pas à vous lancer dans une discussion. De temps en temps, hein, il y a des petits débordements, il y a des gens qui disent des choses étranges, mais... Mais ça va. Quelle drôle d'idée de se déplacer à pied, voilà.
Donc vous voyez l'ambiance, regardez ces grands châteaux là. C'est l'ambiance de ma zone, la zone des Ventir. Et j'aime bien, mais c'est pas très pratique à parcourir. On va aller voir si je peux faire ce mob rare. Normalement, j'ai déjà l'objet. Ouais, j'ai déjà ça pour lancer le combat. Ambiance étrange Noël de Monsieur Jack. Un petit peu, ouais. Ça fait un peu Tim Burton. Ce genre d'ambiance. En monture volante, cette zone doit être très sympa. Mais on n'a pas encore la monture volante. Ce monde ressemble plus à la mort que les fées. C'est pas le même style. La mort, c'est pas forcément ténèbres et mort. Il y a peut-être de la vie dans la mort. De toute façon, on va aller à Sylvarden. Sylvarden, c'est quand même joli. Faut quand même pas le nier. C'est très victorien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, moi, j'ai toujours mes montures spectrales. Hein. Ah, regardez, je vais pouvoir lancer le combat. Donc pour ça, il faut avoir quelqu'un de Ravendress qui active ça. Hein. Sinon, vous ne pourrez pas le faire, je crois. J'active. C'est quand le vol, là? Mais j'avoue, ça manque. Hein. Surtout dans cette zone, je trouve. Attends, non, il faut le lancer après. Pic, tu l'as déjà fait ce rare? T'as déjà trouvé un groupe pour le faire, toi? Ah, je crois que t'as déjà eu le haut fait. Mais en fait, je suis même pas sûr qu'il soit dans le haut fait, lui, donc en fait. Je suis même pas sûr. Bon, de toute façon, je peux le faire tous les jours, hein, donc. Je pense à Pic parce que Pic fait. Absolument tous les rares, tous les hauts faits, tous les machins. J'ai eu le haut fait, ouais. Lui ne me dit rien. Ouais, c'est ça, mais je crois pas qu'il soit dedans. Mais il loot Aile de l'effroi horrible. Aile de l'effroi horrible. Il loot ça. Bah, c'est lui, en fait. Il loot sa propre monture. Mais je peux l'invoquer tous les jours, donc pas de problème. Peut-être même plusieurs fois par jour, juste que je pourrais pas le relooter. Il saute au loot, c'est ça. Il se drop. Bon, il y a beaucoup de PV et je suis un peu solo là, mais c'est pas grave. Je sais pas le pourcentage par contre. Ça va, le son des attaques est pas très fort. C'est pas dérangeant. On peut les invoquer plusieurs fois, mais on ne peut pas reloot. Pareil pour les failles à l'amphi. Ah ouais, d'accord. Oui, bon, voilà, si jamais tu veux le faire ce soir. Je crois que ce soir, il y a peut-être un donjon de prévu. J'ai vu sur le channel. Bonjour, Absolem. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je joue à WoW, j'ai les mains gelées, transies par le froid. Pas un donjon, mais c'est tout comme, la zone est horrible. Ah ouais? J'ai cru que Barbe voulait faire un donjon. Ou alors vous l'avez peut-être déjà fait, je sais pas. Le froid de la mort, ouais, c'est ça. C'est peut-être ça. Il y a un cri. Un cri dans la nuit. La lumière me brûle. Ça, c'est un rare qui va spawn. Ça, c'est Sir Lanidas qui va spawn. Si on peut y aller après, si personne le tue. Il loot un jouet, je crois.
Quand on joue, on peut pas mettre les mains sous les cuisses pour se réchauffer. Mais c'est ça. À croire qu'il fait froid dehors, quoi. De quoi tu parlais, Aperia, là ? Tu parles de tourment. Bon, je combats n'importe comment parce que je suis pas concentré comme d'habitude. Hein. J'ai pas du tout la même concentration. Putain, le... Il est tombé dans le vide, là. Ça me plaît pas du tout, cette histoire-là. Si mon mob va dans le vide, là... Ça me plaît pas du tout. Viens par là, viens par là. Viens plus près. Ouais, bref, je joue pas du tout de la même manière quand je suis tout seul, solo, en train de regarder The Crown. The Crown. Et quand je suis en stream. Donc ne me jugez pas trop sévèrement sur mon gameplay. Et mon DPS incroyable de tank. Le voilà mort, tout ça pour pas de monture, évidemment. Ça n'étonne personne, ça n'étonne personne. Ça n'allait pas se faire comme ça. Hein. Petite run tourment après pour rigoler. Bah j'ai déjà fait tous mes tourments. Ça servirait à rien. Vraiment, ça servirait à rien. Donc je suis pas sûr. J'ai fait tous mes tourments de la semaine, j'y suis même retourné hier parce qu'il y avait un appel. J'ai pas besoin. Comme dirait MV, j'y vais comme un gros dégueulasse. Il dit ça à MV. Bon cours, Sacré Harry, merci d'être passé. Alors, à mon avis... Tu perçois souffrance. Le rare dont je vous parlais a déjà été tué, mais on va quand même y faire un petit tour. On ne sait jamais. Éclatons-nous les genoux. Clac. Il y a un rare qui est déjà là. Ah mais non, c'est le truc où il faut les bouquins. Là. Oh, elle me saoule, elle. J'ai pas envie de la faire. Je vais mourir. Pas passé. Bon, rare ou pas rare? Est-ce qu'il a déjà été tué? Ou est-ce que... S'il est pas là, ça sert à rien de le refarmer? Il est pas là. Quelqu'un a dû le faire parce que... Je sais pas en fait. Il met un moment à spawn ce rare là. Il faut des éclats. Et les balancer sur des goules affolés et ça fait spawn le rare. Et quand il y a le cri comme on a eu tout à l'heure, ça veut dire qu'il va spawn dans pas longtemps. Je pense qu'il a déjà été fait. Et que ça sert à rien de retuer quelques goules là. C'est quoi la fonction de ton perso principal, la fonction Shadow? Ah la faction, pardon, oui, je sais pas lire. Oui, je suis chez l'Eventyr. Bon, je pense que ce rare a été fait, j'ai pas envie de le farmer. Bon, on va aller chez Sylvarden. Il faudrait qu'on loot... De toute façon, il y a un appel là-bas, donc il faut qu'on fasse au moins 3 XP. Il faudrait qu'on loot le champignon. Ça se loot assez facilement, et on pourrait avoir une monture facile.
Oh, le fly qui est loin là. Ok. Sachant que ma pierre de foyer est chez les Ventir, je passe par Dalaran pour aller à Oribos. Ne me jugez pas. C'est mon choix. Après, vous savez, WoW, j'ai hésité là, dans la semaine à vous faire des streams dessus, mais parce que quand on n'y connaît rien ou quand on y connaît pas trop, bah, c'est un peu chiant, non? Mais vous voyez, moi, je suis souvent comme ça, en train de pas parler, à faire des quêtes et des trucs. Je sais pas si ça vous intéresserait sur le long terme, ou plus souvent. Moi, je serais ravi de stream plus souvent sur WoW, hein. Mais j'ose pas. Et vous allez encore me dire, mais fais ce que tu veux, nous casse pas les pieds. J'étais triste de pas te voir en live pour le lancement, justement. Alors là, c'est différent. Là, il fallait vraiment que ce soit pour moi. Je ne joue pas de la même manière quand je suis en stream ou non, et j'aurais pas profité du lancement de la même manière. Donc, non. Ça fait des années que tu te poses cette question, hein. Oh. Le dessin nous indique la voie. C'est pas la seule question que je me pose. Que le dessin. Par contre, j'aime beaucoup l'arrivée à Sylvarden. Je trouve que la musique est jolie quand t'arrives. Et la zone est très belle, de toute façon. Allez! Porte des étoiles là. Justement, je m'y suis mis, ça me dérange pas de... les lives comme ça. C'est sympa quand même. J'aime beaucoup cette arrivée. Et la zone est très belle. C'est avec celle-ci aussi que j'ai hésité, hein. Parce que quand même, regardez à quoi ça ressemble. Mais c'était un peu trop nature à mon goût. Ça m'a un peu gonflé. Mais il n'y a pas une zone où je me suis dit, non, vraiment, c'est celle-ci sans aucun doute, hein. J'ai un peu hésité avec toute sauf Maldraxxus. Au début, je pensais pas du tout à Bastion, et j'ai quand même hésité. Bon, écoutez, s'il y a plus de WoW, hein, moi, ça me va. On verra. Ouais, Bastion, c'est joli aussi. Hein. C'est joli. Bon, Maldraxxus, hein... Mort-vivant, la peste, c'est un peu dégueulasse. Mais je trouve la zone pratique. Tu vois, c'est en cercle, t'as une zone partout. C'est pratique. On peut pas lui retirer ça. Est-ce que j'ai une commande pour voir mon setup? Non. Je crois pas. Ah, quoique. Je suis pas sûr. Essaye. Config, peut-être. Config ou setup? Config, ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'on voit avec cette... On voit un screen. Ça a l'air de répondre à pas mal de questions. Pourquoi j'ai une quête ici? De toute façon, j'ai pas fini les quêtes secondaires. Ah non, c'est parce que c'était une quête de donjon que j'ai pas rendue. Alors eux, ils font peur, surtout quand ils parlent. Vous faut-il des nutriments, jeune pousse? Moi, je les trouve chelous quand même. Hein. J'ai l'impression que c'est même un bug. Apprenez pour mieux pousser. J'ai l'impression que le son est bugué. Faudrait écouter, hein, en anglais si c'est aussi saturé.
Et là, il y a l'intendant de l'Alali. Pénurie de soie. Dans la musique, maintenant, elle est un peu vénère. Je l'avais montée pour l'arrivée. Mais... Calmos. Vous trouvez quelque chose qui vous intéresse? Repassez donc me voir. Ah, oh, je peux acheter une mascotte. Mais elle coûte 250. Oh. 250. J'en ai combien? J'en ai 385. À la prochaine fois. Coûte trop cher. Bon, on va se faire des XP. On va pas forcément faire les quêtes secondaires tout de suite. Parce que... Déjà, j'ai la quête de l'appel où il faut que je fasse 3 expéditions. Donc les expéditions sont là. Hein, dans la zone. Et j'ai bon espoir de looter le champignon. La voix d'Hermione. J'ai pas fait attention. J'ai pas écouté. Hermione. J'en ai pour toutes les occasions. Tirez fierté de votre travail. C'est la voix d'Hermione ? C'est vrai que la zone est belle ici. Hein. L'espèce d'eau un peu fluorescente là. On va aller... J'aurais dû prendre le fly, mais c'est pas grave. Bon alors, les quêtes de mascotte... Je suis un peu démuni, je sais pas, Pic, toi, si t'as essayé. Mais en gros, les équipes de mascotte, là, elles font n'importe quoi. Je crois que je les ai même supprimées. Enfin, je les ai supprimées. Donc ça m'a gonflé, Ça me faisait un peu nimpe. En gros, si tu veux, d'habitude, quand j'importe les équipes de mascotte, ça me met bien le nom du PNJ. Et là, ça me mettait pas le nom. Ça me mettait... un chiffre. Du coup, j'avais toutes les équipes, mais je ne savais pas à qui elles correspondaient, donc ça n'avait aucun intérêt. Donc, j'ai pas réessayé. Ça me met le nom de l'expédition perso. Mais comment tu fais, toi? Je peux montrer aux gens, ça peut peut-être les intéresser. Je te montre ce que j'ai fait, tu me diras si c'est ce que t'as fait. Je clique sur code... Ouais, mais tu fais ça sur le combat, juste genre tu vois le nom de l'XP, tu te dis, ok, je suis à l'XP force de défense aérienne, je vais sur le site, je vais sur cette XP et j'importe celle-ci. Genre une par une. Je pense que tu fais une par une et c'est pour ça que je pense qu'une par une ça fonctionne. Alors attendez. Si je retourne ici, sur... Alors, pff, non mais cette capture qui vaut rien là. Xufu Pet Guide. Moi ce que je faisais, j'allais ici. Je fais par exemple expédition. Et je faisais ici. Là ça charge tout. Voilà. Pour toutes les XP. Je prends le code. Je retourne in-game. On va faire un nouvel onglet. Voilà, qu'il n'y a pas de nom, qu'il n'y a pas d'icône, parce qu'on est comme ça. Importer des équipes. Voilà, tu fais pas comme ça, tu fais une par une. C'est ça. Je vois. Alors, je pense que là, ça va marcher parce que... Voilà. Là, ça marche bien. Tu vois, j'ai toutes les équipes d'un coup des expéditions. Elles ont bien leur nom. Donc lui, Faril, là, je sais pas où il est. Faril, bah, il est tout en haut. Je clique sur le petit parchemin, là, et j'ai la strat. Tour 1, tour 2, etc., etc. Donc là, c'est tout bien. Pas de problème. Mais, quand je retourne... Ici. Parce que là, c'est pour les XP. Si je veux le haut fait exorciste de famille, je fais pareil, je prends tout le gros bouton. On va voir, peut-être que ça va marcher cette fois. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mirorage qui offre un abonnement, merci beaucoup, à Angel Forever.
offre des abonnements à la communauté en remerciant du cadeau offert par Fantastic Joe. C'est gentil. Bon, ça prend un moment là parce qu'il y a beaucoup d'équipes, voilà. Donc là, il me dit qu'il me manque quelques mascottes qui sont pas niveau 25 ou d'autres qui... Enfin bref, ça bloque un peu, donc ce sera rajouté dans ma liste de leveling pour un jour. Bref, je prends le code ici en faisant ce bouton là. Je retourne in a game. Je vais faire un autre onglet pour le au fait exorcisme, tout ça. Et là, si je me trompe pas, enfin la dernière fois que j'ai fait, ça a pas marché du tout comme je voulais. Je fais un copier-coller, donc ça frise le jeu, parce que le copier-coller est immense. Merci TGC Link. Merci à toi. Donc là, ça frise le jeu. Voilà, on est bon. Sauvé. Et cette fois, ça fonctionne. Eh ben, écoutez, ok. La dernière fois, ça n'a pas fonctionné. Et en gros, tous les noms, là, ça mettait juste un chiffre. Comme s'il y avait que le chiffre entre parenthèses. Du coup, je ne savais pas à quoi correspondait. Là, je sais que ça correspond à pénible infiltration. Et du coup, là, pour pénible infiltration, j'ai l'équipe. Parce qu'en fait, le haut fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de faire toutes les mascottes, tous les combats avec seulement une équipe mécanique, seulement une équipe aérienne, seulement une équipe magique, ce genre de choses. Du coup, là, pour l'XP pénible infiltration, j'ai mon équipe full humanoïde, full mécanique, full dragon, etc, etc. Et cette fois, je comprends bien à quoi correspond l'équipe. Parce qu'avant, j'avais que les chiffres et je ne savais pas. Et sur le petit parchemin, j'ai la strat qui est ici. Donc, en l'occurrence, pour lui, Faril, qui est à l'expédition Force de Défense Magique Aérienne, est-ce qu'elle est dans le haut fait? Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Ah bah si, Airborne Defense, ça doit être ça. Je vais vérifier. Bon, pour ceux qui n'y connaissent rien, à mon avis, ce que je raconte ne veut rien dire. Mais voilà. je cherche l'exorcisme de famille. Ouais, Faril est dedans. Donc, il faut que je fasse, pour mes hauts faits. Donc là, par exemple, j'ai l'équipe, mais mon chasseur sombre visqueux n'est pas niveau 25. Donc, il faut que je le mette à Pex pour plus tard. Qu'est-ce que j'ai full niveau 25? Les dragons sont full niveau 25. C'est très bien. Je sors la petite strat qui est sur le parchemin. Personne ne peut échapper à la Lali. On lance le combat et j'appuie sur les boutons. Voilà. Tour 1, tempête arcanique. Voilà. C'est parti pour un petit combat Pokémon. Bye Gilles. Gilles, excuse-moi. Bye. Comment ça s'est passé cette première semaine d'extension? Ça s'est très bien passé. Le lancement s'est bien passé. Il n'y a pas eu de crash serveur. Gilles, c'est suffisant. Ça marche, merci. Il n'y a pas eu de crash serveur. C'était très bien. Après, il y a quand même quelques bugs qui traînent. Hein. Chaque fois que je veux faire un truc, il y a un bug. Peut-être qu'on en aura aujourd'hui, mais... Il y a quand même des trucs qui doivent être réparés. Merci à Walkiria, qui s'est abonné pour son deuxième mois. Merci à toi. N'oubliez pas que si vous pouvez laisser un message quand vous faites un resub, l'assistotroll va le lire avec sa douce voix. Et ce sera très bien. Le lore est cool. Alors moi, je le lis pas beaucoup. Mais oui, j'ai quand même vu les grosses lignes. Et il est bien. Il est bien, j'aime bien l'histoire. De toute façon, depuis quelques extensions, j'aime bien comment l'histoire est amenée à travers les quêtes. L'histoire de Sylvarden, d'ailleurs, il y a des cinématiques très très belles. Bon, je sais pas si on va s'en sortir. Mais... J'attends une maintenance pour qu'il répare quelques trucs. Ouais, non mais...
Racontez-nous le lore. Je serais très mauvais pour vous raconter le lore. Il faudrait qu'il y ait Nail, il vous racontera. C'est grâce à la cinématique que je suis allé à Sylvarden. Ah ouais, non mais elle était vraiment bien. Elle était vraiment bien quand elle buguait pas. Parce que moi j'ai fait mes quêtes, la cinématique n'a pas proc. Donc j'ai dû la voir sur YouTube. Ça avait moins de gueule, quoi. Maldraxxus pour toujours. Hein. Donc, y a des gens qui aiment Maldraxxus. Hein. Ça m'avait étonné. Tu viens de finir ton donjon. Bah écoute, il y a des gens qui parlent de lore, là, si tu veux discuter avec eux. Mais ça va être difficile. De tout raconter, je veux dire, ce serait énorme, quoi. Tu peux pas tout résumer comme ça en quelques mots. Où j'en suis, moi, j'ai perdu mon... J'ai fait mon coup de queue, et après je fais une tempête arcanique. Et après je fais une tempête arcanique. Une éruption de mana. Bon, écoute, on verra. Il y a un chat nouveau, si vous voulez. Ouais, Nail pourra vous raconter le lore. Ok, donc c'est réussi. Voilà, ma petite XP. Et surtout, je dois avoir dans l'exorcisme de famille draconien, Faryl, qui est... Validi. Faryl est validi. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai le droit... Gare à vous. Voilà, on peut combattre en boucle contre lui, donc on n'est pas obligé d'attendre l'expédition comme à Légion. On peut combattre en boucle. Il donnera juste plus de récompenses. C'était le petit moment combat de mascotte. Gros merci, cœur, Wizard. Sur toi, trace de rouge à lèvres, cœur rouge. Trace de rouge à lèvres. Merci. Oui, on peut jouer à Pokémon sur WoW, bien sûr. Toutes les mascottes, regarde ça, toutes ces mascottes là, tout ça c'est des Pokémon. Et puis tu fais des combats, et tu as des combats d'arène, et des champions de zone, et plein de choses. Tu peux en capturer des sauvages, ou alors les avoir sur des boss. Et il est déjà 16h20, là, alors que j'ai dit qu'on arrêtait à 17h, mais ça n'a aucun sens. On va rien faire, en fait. Maldraxxus a l'histoire la plus intéressante, à ton sens. L'histoire est intéressante, c'est vrai. Je trouve qu'elles sont toutes intéressantes, tout de même. Par où je passe, là? Si, c'est là. Hein. Il faut absolument juguler l'infestation de Gorm. Ma magie pourrait peut-être vous aider. Jugulons. C'est quoi ta magie? Vous transforme en... Ah merde! Moi j'aurais jugulé moi-même. Elle m'a transformé. Ah mais c'est des élites. Ouais, on va juguler avec son pouvoir. Mais du coup ça me sert à rien parce que moi je veux looter le champignon. Ouais, évitons la pub, même si effectivement là c'était dans le sujet. On évite parce que ça peut vite déraper, il y a des gens qui se laissent aller après. Hein. Mais effectivement, si vous voulez du lore. Oh, il y a plein de chaînes YouTube pour le lore. Je sais pas si ces personnes ont déjà fait des vidéos sur Shadowlands. Je donne des coups de patoude, hein, c'est pas bien compliqué. Mais moi, je veux looter des champignons! Ah, mais c'est un hors-deux, là. Putain... Hier, j'ai fait un haut fait à Bastion avec une expédition de vol. Comment ça s'appelle? L'As des As. Vous avez pas fait cette expédition hier, là, l'apprentissage du vol à Tyrdel? C'était au nord de Bastion, si vous y jouez. C'est l'expédition Flappy Bird. C'est ça.
Bah, il y avait un haut fait, et bah, j'ai bien ragé. J'étais bien salé. J'ai réussi, mais déjà, ça a bugué et ça a pas marché la première fois que j'ai réussi, mais. Mais c'était difficile. Tu ne veux pas y penser. Bah, pour ceux à qui ça parle, dites-vous que j'ai réussi une première fois, que ça n'a pas fonctionné, que ça m'a sorti du jeu, mais que j'avais toujours les sauts de Flappy Bird et que du coup j'ai pu m'envoler au loin alors que j'étais plus dans l'XP. Mais c'est surtout, ça n'a pas validé mon haut fait. Et j'ai dû le réussir une deuxième fois. Voilà, j'étais vraiment très content parce que j'ai galéré. Comme Karine Le Marchand, on adore rire. Ah bah sur le moment, j'ai vraiment kiffé quoi, me faire sortir de l'expédition alors que j'avais réussi. Et d'avoir toujours le truc, et sans au fait... J'étais vraiment pas bien. Trop de hors-deux ici là, vous me piquez mes mobs. Ça sent le gros piège, quand on va terminer l'expédition, ça va me sortir de la transformation, je vais me retrouver au milieu des mobs. Les fouisseurs congestionnés. Bah écoute, ils ont des petits soucis, hein. Y a pas de bug sur vous. Non, y a pas de bug, c'est des features. C'est voulu. Ils ont mangé trop de fibres. Ils sont noués, tu vois, ils sont bloqués. Les traqueurs des ombres ne sont pas leurs prédateurs naturels d'habitude, mais vous avez su les convaincre. Très bien. Oh, mais cet XP va s'arrêter bientôt. Mais je crois qu'on peut toujours pas, tu vois, la quête buggée d'Eventyr, là, on peut toujours pas la faire. Hein. Alors qu'ils ont essayé de le résoudre. Ça n'a rien résolu du tout. Ah! Ma mission est terminée. Il y a un rare, là. On me signale que les Sprigans ont envahi les Florès et commencent à se fabriquer des armes. Exterminez-les. Ouais, j'extermine, mais il y a un rare. Il est où? Il est dans... Non, ah, là. Les débuts de Dame Dame Surbo sont hilarants. Franchement, j'ai hâte de voir la rediff. Faut faire quoi, là? Ah, juste ça? Non, c'est lié à l'expédition, ça. Je peux te dire où il est si jamais... Vas-y, dis-moi. C'est pas ici. Ah, c'est peut-être dans la cascade. Est-ce qu'ils nous ont fait un coup de grotte derrière la cascade? Non, pas du tout. Oh, c'est quoi, ça? Faut prendre une grotte pas loin. Est-ce que ceci est une grotte? Pas du tout. Panier, c'est pour une quête. Je ne trouve pas mon chemin. Bye, Yuyak. Mais je crois que Dame Dame, elle a rien contre les MMO en soi. Hein. C'est juste qu'elle ose pas trop y jouer parce qu'elle a peur de vouer sa vie à ça, il me semble. Je crois pas qu'elle soit contre, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, je serais curieux de savoir son ressenti, du coup, mais...
Ça doit être dur de commencer là, de faire une OP sur WoW, sur Shadowlands, là au pif comme ça. Ça doit être chaud. On en est au choix Alliance Horde, choix crucial. Genre là, elle crée un perso. Trop marrant. Je l'aurais jamais imaginé jouer à WoW. Vu la masse de collectables qu'il y a, ça se comprend. Après, t'es pas obligé du tout de t'amuser à collecter tous les trucs, hein. Tu peux jouer à WoW juste pour l'histoire, ou pour PVP, ou juste pour les donjons, les raids. T'es pas du tout obligé de collecter, hein. Moi, j'aime bien, mais il y a des gens, ils en ont rien à foutre des mascottes ou des montures. T'es pas obligé, hein. Dans le contrat, il n'y a pas un contrat de sang dans lequel tu vends ton âme? Chut. Chut. Quand tu aimes collecter, c'est un problème. Je comprends. Merci Artscost. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Allons faire cet XP, je traîne, je fais rien. Ce stream ne sert à rien. C'est bien pour ça que je vous dis qu'il n'y aura peut-être pas de rediff... Est-ce que j'ai tué le bon... Ah non, le cercle de champignons, c'est autre chose. C'est là où j'étais tout à l'heure, le cercle de champignons. Mais c'est pas possible, il y a 30 000 trucs ici, là. Tant pis. Je ferai ça un autre jour, ça me saoule. À l'attaque! On veut loot un champignon, nous. On fait une XP, mais on veut loot un champignon. On veut un champignon, un bon gros champignon, ça va pas tarder, le champignon sous nos yeux. Ah, c'est avec le conducteur d'animal, le champignon, là? Enfin, le champignon, le cercle de tout à l'heure. Ne parle pas de champi, le HM de Chantorage. Ah, c'était sympa, ça, c'est vrai. Bah là, on est quand même sur du champi, hein. Ce serait bien de le looter, ça me permettrait d'avoir une monture, d'avoir un but, tu vois, dans ce stream. Sondage Dame Dame, Alliance Horde a abouti à 50-50, Dame Dame est ravie. Merci pour, pour les news. Mais qu'elle fasse une bonne naine dans l'Alliance. Y'a que ça de vrai, une bonne naine là. Tidus a renouvelé l'abonnement cadeau offert par Pielo. Merci. Tu penses que Dame Dame est naine de cœur? En vrai, pas tant. Va lui conseiller, ça l'aidera à choisir. Oh, mais je vais pas la saouler pendant son OP. Après, si elle veut, pourquoi pas, mais... Elle part sur les elfes. Grand bien lui fasse. Vous avez le droit de jouer des elfes. Vaut mieux qu'elle découvre toute seule, plutôt que je la saoule. De toute façon, c'est pour son OP, je suis pas sûr qu'elle continue après. Voleur! Ah non, qu'elle fasse pas un voleur. Non, 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 non. Dites-lui de cancel le voleur, là. C'est chiant! Okay.
Enfin, c'est mon avis, quoi. Elle a pris voleur. Aïe, 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 aïe. Bah, elle va vraiment apprécier son expérience, je pense. Voleur elfe de la nuit, par défaut. Mais écoutez, bon courage. Qu'est-ce que t'as contre les elfes voleurs, hein? Les elfes, j'aime pas trop jouer elfes, mais le voleur, j'ai fait un voleur. Oh, j'ai trouvé ça difficile et pas intéressant. Peut-être qu'avec beaucoup de stuff, c'est sympa, mais alors en leveling, j'ai pas aimé. Bon, elle en est où cette XP là? J'ai pas looté de champignons, hein. J'en ai looté plein des champignons pour faire pop ce rare là, avec la monture. Et à chaque fois je me suis dit non, mais je le ferai peut-être un jour en stream, donc je vais pas l'utiliser. Aujourd'hui nous sommes en stream, je ne loote pas de champignons. Champignons qui a un temps de... Enfin qui disparaît après 20 minutes, donc c'est pour ça que je l'ai plus. Chasseur pour Pex, c'est pas mal, ouais, c'est vrai. En fait, tout est bien pour Pex, mais voleur, c'est difficile. Chasse, guerrier, j'ai trouvé ça difficile au début. Une fois quelques points de talent mis, ça va tout seul. Mais au début, c'était un peu rude. Ouais, j'ai déjà la congrégation, je suis chez les Ventir. Mage, c'est sympa aussi. Moi, de toute façon, j'aime à peu près tout, moi. Bon, je joue que des paladins, mais... Mais j'aime à peu près tout. Elle a du mal à trouver un nom de perso. Le nom qu'elle choisit contient un mot inapproprié. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle a mis? Ça me fait rire. Bon travail. Ils sont bien assez néfastes comme ça. On a fini l'expédition. Sans champignons. On va faire autre chose. Puisque j'ai pas de champignons, on va essayer de looter une autre monture facile. Qui ne demande pas de farmer des mobs. Donc voilà. Elle a tenté Clitorine. Ah mais... Voilà quoi. Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire de l'imaginer sur WoW. Je sais pas pourquoi. Imaginez pendant un instant, elle accroche de ouf. Et c'est parti. Double stream avec Dame Dame. On va farmer là. On va aller faire des montures. Par où je passe là? Tu vas te marrer sur la rediff, je pense. Guilde Dame Dame et Enjoy Phoenix, c'est vrai! Vous avez pas vu Enjoy Phoenix streamer sur WoW? Elle joue beaucoup à WoW, Enjoy Phoenix. Elle farm sur Twitch. Elle joue énormément, ouais, ouais, ouais. Ça se trouve, elle est déjà en stream, là. On ira à la raid. Non, je rigole. On va aller faire ça, là.
et des objets à ramasser. Un abonné de l'ombre te souhaitant du loot, du stuff et le plein d'anima. Vensire pour toujours. Vensire. Merci beaucoup, Torox. Il est quelle heure, Enjoy? Oh, quelle horreur. Surtout, ne faites pas ça, s'il vous plaît. La blague est drôle, mais le faites surtout pas. Alors, on va looter des trucs. Un panier de jardinage. On loot. Zoomer parce que je vois rien. Le marteau. Where is le marteau? In the charrette. The marteau is in the charrette. The marteau is in the charrette cassé. We need, je crois, 5 items. Et après, on les fusionne. Et voilà. On fera un truc avec. Tu fais LA monture. Bah, je crois que c'est LA monture dont à laquelle tu penses. À savoir que moi, étant chiant, je l'aime pas trop. Elle est marrante, mais je l'aime pas trop. Il est où ce machin là? Le Diary of the Night. Il serait pas en haut? Ça doit être en haut. Faut monter. Faut monter. Technique pour monter. Je monte tout ce que je peux. Ok, j'y arrive pas. Je trouve le déplacement un peu bizarre, genre tu montes là-dedans après avoir mangé. Quoi? Ah, dans la monture. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça fait beaucoup comme ça. Ouais. Essayez donc de me tuer. Bon Dieu, j'arrive pas à monter. Esprit de contradiction ou réel dégoût? Alors je dirais pas dégoût, c'est un peu fort, mais j'aime pas. Non, j'aime pas. Ce n'est pas que de l'esprit de contradiction. Le journal de la nuit, on prend... Non, je ne suis pas sur Ijad, je suis sur Kirin Tor. Ensuite, la flûte. Je suis dans une branche. Ah, bonjour. Je voulais pas vous déranger. C'est ici la flûte? Oui, c'est ici. La flûte de jardinage! Je suis tellement n'importe quoi. Parce que le chat me stresse. Me stresser, je fais n'importe quoi. Oh! Cynthia, merci à toi pour ce deuxième mois. Merci beaucoup pour vos deuxièmes mois, du coup. Ça me fait plaisir de savoir que vous restez. Genre, vous vous dites, je me suis abonné. Et en fait, ça me plaît, j'ai bien envie de revenir. Et ça, ça me fait plaisir. Il picote, ouais. Mais bon, je suis pas la tank. Je ne risque rien. Et dans la charrette, là, il y a encore un truc. Qu'est-ce qu'il faut looter, là? La Gardener Wand. C'est là-dedans? Je sais pas. Cette mount va particulièrement bien avec mon DK Panda. Alors, moi, je suis sûr que je suis ridicule avec un nain dedans, mais...
fait une requête. Ah, c'est bon, il est là. T'as fait une requête et t'as pas de réponse. Tu m'étonnes. Il doit y avoir plein de requêtes. On fusionne les objets. Et après, je ne sais plus où je les emmène. Outil de jardinage d'Astrafan. Est-ce que c'est pas ici? Je crois que c'est là-haut, hein. Une fois que j'ai tous les objets. Tes pets te manquent. Mage arcane? Eh, mage arcane, c'est rude, non? Mage givre, c'est plus facile. Enfin, je dis pas qu'il faut que ce soit facile, mais... Il me semble que mage arcane, c'est assez rude en plus en début d'extension comme ça. Faut avoir du stuff pour que ce soit intéressant. Enfin, je ne joue pas mage, hein, je dis ça sans savoir. Et hop, je retourne leur cœur superbe 124 baleines. Merci. Merci Kézef. Ce et hop était particulièrement enjoué. Et hop. Est-ce que c'est ici que je dois faire quelque chose? Je suis pas sûr. Je ne trouve rien. Je suis pas sûr que ce soit là, mon histoire, là. Et hop! Est-ce que vous vous rappelez où est-ce qu'on va pour donner les objets? Combine to unlock the cache of the night. C'est pas ici? À tous les coups, il n'y a pas le PNJ parce que j'ai pas fait les quêtes. Dame dame sur le tuto. Il y a trop de texte, j'ai mal aux yeux. On sent le j'ai pas lu. Mais elle peut ne pas lire, on s'en fiche. On peut jouer sans lire. Ah, c'est quoi ça? Rameau enchanté. Vous combinez un rameau enchanté. Ah, je dois pas être au bon endroit. Je suis pas au bon endroit, c'est pas possible, parce que là, il faut combiner encore des objets. C'est pas les bons objets. Est-ce que c'est pas ici? Cache de la nuit, combine. Putain, c'est à l'autre bout du monde encore. Je suis coincé dans les racines. Mais du coup, elle est dans la zone de départ, celle de GoTuto. Sur le bateau, ouais. C'est à Tirnaval. Alors c'est bien elle là. Non? Attends, c'est où Tirna machin? Moi j'y crois. Il y a un des objets sur un arbre par contre. Mais je crois que j'ai tous les objets, non? Premier fly en haut. Ah oui, là-haut. Ah bon, c'est là-bas, mais... Cache de la lune. Mais oui, mais tout le monde... Alors ça, c'est le problème, tu vois. Ça, c'est le problème ici, c'est cache de la lune, cache de la nuit... on comprend rien. Cache de la lune, la nuit... on sait plus. On ne sait plus. Voilà. Du coup, I'm lost. Du coup, c'est là-haut. Voilà. J'ai les outils de jardinage. And bring them to Astrafal machin, là. Eh ben, on est bon. On est bon. Merci. Merci d'être présent, parce que je suis nul. Et on va avoir une monture quand même. D'ailleurs, elle vole, hein, cette fameuse monture chelou là. Le saviez-vous? C'est encore plus spécial en volant. Mettez les lieux de quête en une autre couleur. Les lieux de quête, qu'est-ce que tu veux dire par lieux de quête? Ça là? Je suis pas sûr d'avoir compris. Les montures de la zone doivent être de toute beauté. Bah écoute, tu vas pouvoir juger dans quelques instants. Là, il y en a une. Est-ce que ça s'appelle la beauté? Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas.
Oh, je suis en combat. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que vous voulez, là? Un Jean me suit. Ouais, mais je crois que c'est un truc de ma congrégation. C'est un PNJ. C'est pas grave. Putain, c'est là-haut. Ok. Tiens. Une petite chanson pour vous réconforter ? J'ai retrouvé vos outils. En toute chose, l'équilibre. Et je peux looter la cache de la lune. Et alors attention. J'ai le cocon à graines sauvages. On est parti. On est parti. Je suis désolé, mais le nain, il est ridicule. Le nain, il est posé sur les chiottes, là. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Et voilà. Il est à la salle d'attente, là. Il attend. Il attend... Tranquille. Non, j'aime pas trop, moi. J'aime pas trop ça... Pas le genre de monture. Puis alors effectivement, t'as un petit peu la gerbe quand tu l'utilises. Hein. Enfin, le perso, à mon avis, il doit pas être bien. Je vais prendre le fly et je vais aller chercher ça, la jument nocturne. On va essayer de faire cette monture aussi. Where is the fly? Évidemment, il faut que je refasse le tour parce que je suis descendu. Bon, je l'utiliserai jamais. C'est pas grave. D'habitude, je te vois sur YouTube. Dormez bien. Eh bien, now sur Twitch. Faut voir ce que donne la monture avec haute gourde. Bah, justement, Peak utilise beaucoup cette monture et est une Draenei comme haute gourde. Et je trouve que déjà ça rend mieux parce que les Draenei assis ont déjà plus de tronches que mon nain là posé sur les chiottes. Ça fait un peu le personnage de FF7 avec sa boule verte. Oh, je me souvenais plus de lui. De toute façon, tu n'utilises pas toutes tes montures. Non, j'en utilise deux, voire trois. Mon tigre spectral et mon griffon spectral. Et le reste... Pas vraiment. Pas vraiment. Mais c'est important d'avoir un plus 1 dans le compteur. Pour passer à 509, 510, jusqu'à 600. Il se passera rien à 600, parce que je crois qu'il n'y a pas de haut fait de collection pour le moment. Peut-être à la prochaine mise à jour, à la 9.1. Collection, monture. Non, il n'y a pas. Ah, mais on peut peut-être aussi faire ça, là, non? Je sais pas si j'y arriverai sans les explications. Tiens, on voit rien, c'est dark ici. Hein. Attendez. Je sais pourquoi. Il y a une monture ici, mais je saurais pas le faire sans explication tout de suite. Peut-être si je prends ça. Je ne garantis rien. Je ne garantis rien. Ah, c'est peut-être ça que tu voulais qu'on cache, non? Moi, je sais pas.
Tentative. Tout de suite. Ah, arrête de dire ça, mais tout de suite une tentative. T'as un debuff qui te fait voir la nuit. Ah, c'est ça. Vision des ténèbres. Ah. Merci. C'est pour ça que je voyais rien. Mais oui, mais je regarde pas. Moi, j'ai pas lu. Voilà, c'est comme ça qu'on joue à WoW. Écoutez. Laissez-moi rebaisser le gamma comme il était. Il semblait bien que c'était dark. J'essaye de faire la monture secrète, là où il faut courir entre les positions. Théoriquement, il faut suivre ces lanternes bleues. Et ne pas mourir parce que la zone est pleine d'élites niveau 60. Mais, bon. Oh, Valfyr aussi, faudrait le faire, ça. Mais il faut quelqu'un des fées. Sur une tentative. J'ai pas peur des mobs. J'ai vraiment pas peur des mobs. Coucou tout le monde et de 2 mois. Toujours compte d'être là. Coucou Christou. Est-ce que j'ai réussi? J'en ai aucune idée. On dirait que j'ai réussi puisqu'il est encore là. Je peux l'attaquer? Est-ce que c'est lui que je dois tuer? Donc là, pour cette monture, il fallait suivre un chemin bien précis dans tout ce petit labyrinthe plein d'élites. Et du coup, Chrisou, là, t'étais chez Dame Dame, elle fait du WoW, là, alors... Ça va être marrant. Je sais pas si c'est lui que je dois tuer. Elle fait le bounty Twitch, ouais. Moi, j'ai pas les bounty, faudrait que je les active. Parce que regarde, on est sur WoW. J'aurais pu être payé à faire ce stream. Franchement, j'aurais pu. Mais je n'ai pas parce que je sais pas comment on fait. Go, le bounty, là. Écoutez, je me renseignerai. Il sera peut-être encore actif... Demain ou après-demain, et puis... Ouh. Ce Christo a offert un abonnement de niveau 1 à AFK. Merci. Merci Christo. J'ai pas compris comment l'avoir. Bon, alors, mon explication est nulle, et je pense que tu t'en sortiras mieux avec une vidéo YouTube ou un guide. Mais en gros, t'as toute cette zone-là, où il y a plein de chemins et de portes, un peu comme les bois perdus de Zelda. Et il faut prendre un chemin bien précis pour arriver jusqu'ici. Et bah, tuer le mob que je viens de tuer et tu peux cliquer dessus. Et voilà. Si tu prends pas le bon chemin, la monture va disparaître. Mais il faut prendre le bon chemin. Donc là, j'avais les coordonnées exactes. Mais normalement, tu peux reconnaître le chemin parce qu'il y a des espèces de lanternes bleues. Il faut suivre le chemin des lanternes bleues. Mais c'est plus simple avec un guide. Tu vois, j'avais mis les coordonnées, là on voit les passages. Il fallait prendre à chaque fois les portes où il y a ce genre de lanterne. Les autres, il n'y en a pas, tu vois, où elle est rose, donc c'est pas la bonne. Et à chaque fois, tu prenais ce passage et comme ça, t'arrives là avec cette monture, qui est une monture licorne. Le coureur à l'eau de brume. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais j'aime pas trop les montures licornes. Coucou Beyond Cave. Ok, ok. Je me souvenais pas exactement de cette idée, mais merci à toi. Re-coucou à toi. Ouais, bah c'est une licorne, écoutez, vous aimez ou pas, à vous de voir. Mais on va essayer d'en avoir une autre.
Encore une fois, nos risques et périls, parce qu'il faut aller là-dedans et c'est encore une fois plein d'élites, je crois. C'est des élites, ça, ouais, c'est des élites. On va tenter. On va tenter autre chose. Je vais cacher ces points-là, retirer tous les points de passage, oui. On est sur une tentative, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on est sur une tentative. J'ai pas peur des mobs. J'ai pas peur des mobs. Je saute! Et je suis sur la racine. Et je grimpe. Et je grimpe. Et je grimpe encore. Je sais pas si je vais au bon endroit. Putain, il m'attaque de là, là. Eh oh, je suis pas à côté de toi, là. T'es pas censé me toucher, hein. Mais il y a pas de bug sur WoW, de toute façon. Je sais pas si vous le savez. Y a pas de bug sur WoW. C'est normal. Continue. Ok, ok. Je prends l'autre racine. Voilà, c'est là. Non ? Qu'est-ce qu'il faut ramasser, là ? Pas un truc, ici ? Où j'ai pas les yeux en face des trous ? Mmh. Tu y étais. Putain, mais je suis nul, je suis débile. Mais... Allô ? Normalement, elle est derrière la charriote. Ah oui ! Ok, je croyais que c'était dedans, effectivement. D'accord. Fragment de bois provenant d'une âme étoile. Il ne reste pas grand-chose, mais elle peut être réparable. Très bien, très bien, très bien. J'ai cru que c'était dedans, je me disais, mais je ne trouve rien du tout, là. Bon. Ensuite. Ensuite. Ah, mais je crois que je peux pas le faire, parce que j'ai pas fait la suite de quête. Oh, God. Attendez, je vais prendre ça. En plus, c'est buggé. Ah, c'est pas possible. Tout est buggé. 5, c'est là-bas que je dois aller. Pas la porte à côté, cette histoire-là. Au moins, je l'ai. Voilà, c'est ça, mais... Bon, c'est dommage, on peut pas continuer, quoi. Quel jeu bien fait. Oui, alors, écoutez... Ah ! Ah ! Faut s'inscrire pour être éligible au bounty. Cela se fait via un questionnaire. Oh là là, je serai jamais éligible avant la fin du bounty. Wow. Liste d'attente. Ah, oh, c'est boring. Ouais, bon, on le fera peut-être, si j'ai pas une flemme intense.
Du coup, personne n'a la monture que je suis en train d'essayer de faire parce que c'est buggé, c'est ça? Ce n'est pas possible. Par contre, tout le monde a celle du champignon parce que tout le monde a loot le champignon, sauf moi. Enfin, pas aujourd'hui, du coup. La dame, elle façonne dans le vent. Super. Super. Bah alors cancel, ça sert à rien de le faire maintenant. Ça marchera pas. Je l'ai eu, mais il faut finir les quêtes de la zone pour qu'une meuf se ramène. Ah donc c'est possible quand même, mais il faudrait que je fasse toutes les quêtes. Ce que je n'ai pas fait. J'ai pas fini cette zone. Pour le champi, va peut-être devant voir s'il y a des gens qui l'ont et le font spawn ou dans la recherche. Pourquoi pas? Ouais, mais c'est vrai qu'en stream, j'aurais bien voulu montrer le truc total, mais bon. Si ça veut pas loot, ça veut pas loot. En vrai, j'aimerais bien faire Valfir le tenace. On est à côté. Et je préférerais trouver un groupe pour lui. Est-ce que c'est Valfir en anglais aussi? On l'a croisé quand on était dans le mini-labyrinthe, là. Je sais jamais par où on rentre dans ce truc par là. C'est un élite qui peut loot une monture aussi. Mais il faut quelqu'un des fées pour qu'on puisse le taper. Comme je suis chez les Ventir, ce n'est pas possible avec moi. Vos os feront une belle âme. Voilà, il est là. Et il a un truc, ne peut être touché. Voilà, il faut quelqu'un des fées. Et il a une monture. Bon, par contre, je me suis pointé là, au milieu de tout. Lâchez-moi! Et cette monture, c'est le rôdeur Mantelune Sauvage. Ça, c'est pas mal. Cette monture-là est pas mal. Regardez ça. Alors, c'est pas un 100% sur lui. Hein. Il faut le faire tous les jours pour essayer de l'avoir. Bon, ils font quoi les gens? Pourquoi ils viennent pas? Tu trouves un autre groupe hein, si celui-là est nul. Ah, ils arrivent. Ils sont pas très loin, quoi. Les gens quittent le groupe. Je pense que ce groupe est nul. On va trouver un autre groupe parce que... Là, il y a beaucoup de monde dans le groupe. Il va forcément se passer quelque chose. Questionnaire, c'est ton pays, nom de ta chaîne, ton adresse. Avez-vous déjà été sponsorisé? Ouais, ouais. Je m'inquiète pas pour le questionnaire. Ce qui me fait chier, c'est qu'à mon avis, il faut attendre un moment. Mais peut-être que... Peut-être que je peux demander à quelqu'un de Twitch... D'accélérer le truc, je sais pas si ça se fait. On y va peut-être là, non? Sous vos yeux, beaucoup d'effets. J'espère que c'est assez fluide pour vous.
Coloquinte. La nature se plie à ma volonté. Une bonne bouillie de pixels. Ah bah là oui, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'effets. Et on en rajoute encore plus d'effets. Et peut-être qu'on aura la monture. Qui sait? Qui sait? Who knows? Ça reste plus fluide que mon propre jeu. Ouais, je suis même pas à fond, je crois. Mettons tout à fond pour rigoler. Il prend pas beaucoup de dégâts, mais je crois qu'il faut quelqu'un des Ventir pour le enlever ça, et ça lui enlève pas, donc je sais pas. On va dire que c'est normal. Kiné, ouais, tout à fait. Dire que je pensais que FF14 avait trop d'effets lumineux à l'écran. Ah bah là, quand il y a tout le monde en même temps, oui, c'est un peu... En fait, personne dans le groupe lui enlève sa barrière, du coup, il est long à tuer. Mais il est tuable même sans membre d'effet, hein. C'est juste très long. La nature se plie à ma volonté. Tududum. Merci Pastadian. Merci à toi. Encore une fois, un deuxième mois. C'est vraiment, vraiment cool, merci. Surtout que j'ai vraiment l'impression de pas faire des streams de ouf, surtout celui-ci là. D'ailleurs, il est 17h, on a dit qu'on devait s'arrêter, il paraît. Je suis censé aller à la pharmacie. J'ai pas beaucoup de FPS là, hein. On est tombé, ah, on est à 40 FPS. De toute façon, il faut remettre 7. Pas sûr que j'ai bien remonté les FPS. On est à 42, 44, ouais, bon. Je crois que quoi qu'il arrive, là. Bon. Tout ça pour pas de monture dans 3, 2, 1. Est-ce qu'on voit les gens looter? Peut-être qu'on va voir des gens looter des montures. Ah, ils donnent 500 de répute, dis donc. Pas de monture de mon côté. Mais de l'anima. Personne dans le groupe a l'air d'avoir looté la monture. Hein. Donc, alors qu'on est très nombreux... Donc, ça a l'air d'être une bonne tannée. Paille, je m'emballais. Bon, on va terminer ce stream avec une potentielle grenouille. Enfin, crapaud, grenouille, je sais plus. Quittez le groupe. Puisque le champignon ne loot pas, on va aller voir si quelqu'un a loot le champignon. Peut-être qu'on n'a pas besoin des gens, tu vois. Par contre, je ne sais plus exactement où c'est. C'est lui là-haut, hein. Ouais, c'est lui, la gobeuse, là. On va aller sur place.
Non, c'est pas le même perso que les deux gros tutos. Là, c'est mon perso principal. Mon personnage au tuto, je l'ai transféré. Donc il est sur mon compte principal maintenant, mais ce n'est pas lui. Merci pour ton Prime, Elixio. On peut se dispenser des gens. Mais le perso de vos tutos va m'être utile, hein, parce que je voudrais mettre tous mes paladins dans chaque congrégation. Donc paladin 2, paladin 3, paladin 4, j'ai même paladin 5 qu'il faudrait utiliser. Donc il va m'être utile. Ah bah regarde, quelqu'un qui dit qu'il va poser le champignon en 32-30. C'est exactement ce qu'on veut. J'ai pas loot le champignon, mais quelqu'un va le mettre. Incroyable, on dirait que quelqu'un m'a entendu. Par contre, je sais pas par où on passe. Et ce brave Pifo. Ah bah Pifo est perdu dans les ténèbres. À Jaja. À jamais, Pifo. Donc théoriquement, il fallait looter un champignon qui ne dure que 20 minutes et l'emmener ici. Je voulais le faire en 100% en stream, mais le jeu n'a pas voulu que je le loot, alors que j'en ai loot plusieurs pendant mon pexing. Mais bon. Bon, je touche tout ce qu'il y a autour, mais... Je regarde ton let's play Mario Galaxy. Merci, c'est gentil. Autant que ça te plaise. Bon, on a tout nettoyé autour. Moi, si tu veux lancer le champignon, là, tu peux. Hein. Merde, je voulais le whisper. Chuchoter. Ready. Putain, j'arrive pas à écrire. C'est comme ça que ça s'écrit, ready. Oh putain, j'arrive plus à... J'ai plus de... Prêt pour le champi, si tu veux. Je sais pas s'il faut être nombreux. Ah bah voilà. Je sais pas pourquoi, je sais plus écrire ready. C'est pas grave. On veut un tuto tank maintenant, marre des vindictes. Alors le tuto tank, c'est pas difficile. Tu fonces dans les mobs, tu n'as peur de rien, et tu appuies sur tous les boutons qui brillent. Ah mais oui, c'est comme ça, je sais pas pourquoi. Ok, elle a planté le champi. Il prend son temps. Ouais, mais pour l'arbre de talent... tu peux regarder sur Icy Vein si tu veux, le site Icy Vein, tu peux regarder l'aspect. Moi j'ai quasiment la même spé que sur Icy Vein en tout cas. Je crois que c'est même la même. Nous vous saluons. Je peux pas faire de tuto tank, franchement, je saurais pas trop quoi vous dire. Recaro, et merci Zebada. Vous portez-vous bien. Nous vous voyons. Bon,
Bon, il a beaucoup de vie, mais il loot une monture à 100%. Donc lui, il est gentil. On parie que sur lui, je loot le champi qui permet de l'invoquer lui-même. Jirol est bien énervé. Bon, de toute façon, après lui, hein, je pense qu'on s'arrêtera. Je vais rendre ma quête d'appel. Récupérer la mission, parce qu'on a une mission qui s'était terminée là, tout à l'heure. Depuis ton tuto, il y a un an. J'ai pas lâché. Il y a un an ? Ah, donc t'étais là pour le premier WoW tuto. Ok. Parce que du coup, je me disais, le tuto, il date d'il y a un mois. Du coup, j'en avais refait. Hein. Coup de cœur pour le paladin tank nain sombre fer. Écoute, moi, c'est ce que je joue. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça m'a fait peur. Sterek Alpha. Comment allez-vous? Eh bien, ça va plutôt bien. Merci beaucoup. Ce deuxième mois d'affilée en niveau 2, en T2, merci beaucoup. J'espère que ça va pour toi. Moi, ça va. Des trucs chelous, mais ça va. Et j'ai loot. J'ai loot la monture et un gland céleste. Je vais dire merci à cette personne. Et du coup, nain pas la tank, nain sombre fer. Bon choix. J'aime beaucoup. Ah, t'as réussi pour la monture licorne. Nice. Ah, de rien. Attendez, on va s'en aller d'ici. Attendez. On va apprendre cette monture. Le gobeur arbricole. Regardez-moi cette bête. On va l'utiliser. Voilà. Ah! Gover, non, Gober. Gober. C'est arboricole. Putain, mais vous voyez, je suis un peu. Il y a des trucs qui. Il y a des fils qui se. Voilà. Bref. Voilà la bête. Voilà la bête. Elle est pas mal. J'avais déjà une grenouille comme ça. Pourquoi je peux looter, là? Et du coup, elle loot à 100%, hein. Donc, soit vous lootez le champignon. Là, il y a un champignon qui dure 20 minutes et vous allez le planter là-bas. Soit quelqu'un est en train de le faire. Soit, encore une fois, bah, vous cherchez le nom du mob en anglais. Ah, mais non, je peux pas le faire, ça, parce que justement, j'ai pas... Je sais pas comment il s'appelait, ce mob en anglais, là. Ah, je crois qu'il s'appelle Among Us. Un truc comme ça. Justement. Je crois qu'il y a un jeu de mots quelque part avec lui. Ouais. Alors, pas écrit comme ça. Attendez. Among Us. Voilà. Regarde ça. Comme ça. C'est presque pareil. Bref, cassons-nous d'ici. On va rendre ma quête d'appel. On va regarder le mini-game, là. Et après, ce sera la fin de ce stream. Fin de ce stream qui était... je sais pas s'il était très intéressant. Mais bon. Il y a un Pokémon Champi qui est pareil, ouais. Bah voilà. Go Pharma, ouais. Demandez les pompiers. Personne ne vous a suivi. Je suis passé honoré à la faction de l'Alali. Je suis ravi. Et là, on a terminé une mission. Et où tout le monde est dead.
On est ravis. Relançons une mission intéressante. Juste une de 4 heures. Ah mais lui est presque dead. Le pauvre. Est-ce que vous avez essayé ça sur WoW? Les missions de ce genre là. Je pourrais soigner mais je crois que ça coûte super cher là. 377 anima, non merci. Hein. Je sais pas si vous avez essayé ces missions là où il faut placer des compagnons et des troupes. Et j'ai appris hier qu'on pouvait placer des troupes à l'infini. Moi je pensais qu'on pouvait en placer que deux. Parce que ça, c'est unique. Mais ça, c'est à l'infini. Et du coup, c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà. On veut plus de WoW. Peut-être demain, peut-être après-demain. Ça fait très Hearthstone. Alors, ça n'a rien à voir au niveau de la stratégie, je crois, mais je comprends. Le plateau fait un petit peu... les mobs d'en bas contre les mobs d'en haut. Quoique, ils se tapent un petit peu pareil. Mais pour le moment, je m'en sers pas tellement. J'ai pas franchement suivi cette révélation. Oui, bah écoute, j'ai eu la révélation hier aussi. Avant, j'en mettais qu'un et je perdais toutes mes missions. Et je me disais, bah, bon, au bout d'un moment, ils vont quand même prendre de l'XP à force de perdre et ça va devenir facile. Mais bon, en fait, tu peux en mettre autant que tu veux. D'ailleurs, j'ai deux compagnons. Je sais pas si vous en avez qu'un. J'ai elle là, Kaletar. Je sais pas si vous l'avez, mais je l'ai eu dans l'antre. J'ai fait une run et j'ai aidé un PNJ et elle m'a rejoint. Voilà, si jamais vous la cherchez. Je l'ai trouvée dans l'antre. Elle heal, donc c'est pas mal. Se démultiplie. Ouais, bah le tuto doit pas être très bien fait parce qu'on est très nombreux à pas avoir compris qu'on pouvait en mettre autant qu'on veut des troupes. T'as eu un compagnon supplémentaire dans l'antre, bah voilà. Bah, si vous en cherchez un autre, bah essayez de farmer un peu l'antre, vous en trouverez un. Je pense que c'est pour tout le monde le même. Peut-être pas le même skin parce que ça doit être lié à ta congrégation, mais je pense que c'est les mêmes stats. Je vais rendre mon anima. Aussi beau que la pierre, et pas plus cher que la pierre. Et puis c'est tout. Bonjour. Eh bien écoute, tu arrives à la fin. Ouais, tourment. Tu vois, c'est pareil, ça je confonds tout le temps. Mais ça, depuis le début de Shadowland, enfin de toute l'explication de Shadowland, je confonds. L'antre, Torghast, tourment. Même les termes en anglais, enfin tout ça, c'est un espèce de gros mix. Et c'est pareil pour les trucs là, Ravendress, Ventir, Sylvarden, le terme en anglais, enfin tout ça, j'arrive. Tout est mélangé dans ma tête. Ça veut pas rester. Ce sont les nouvelles mascottes. Comment ça, les nouvelles mascottes? Merci Jiminix. Merci. Tourment, c'est la trad de Torghast. Bah alors pourquoi il y a écrit Torghast? Bon Dieu. Pourquoi il n'y a pas écrit Tourment là? L'antre, c'est la grosse zone et Tourment Torghast, c'est la tour. Écoutez, moi je suis un peu perdu, tout se mélange. Flemme de retraduire la carte, bah pourtant tout le reste est traduit, bon Dieu, pourquoi celle-ci là? Je sais pas. J'ai pas compris ce que tu voulais dire par ce sont les nouvelles mascottes, Caro. Les aventuriers, pardon. Ce n'était pas bien explicite. Non, ça n'a rien à voir avec les mascottes. En fait, à chaque extension, depuis un petit moment, t'as des espèces de missions, un petit peu comme un jeu Facebook, un jeu, tu sais, où tu envoies tes mecs en mission. C'est un petit jeu Facebook, tu vois, dans le style où tu vas attendre 4 heures pour voir si t'as réussi ta mission. Et tu dois les placer correctement pour combattre. C'est un mini-jeu, tu vois. Et t'obtiens des petits bonus. Mais ça n'a rien à voir avec les mascottes, ça.
Et de temps en temps, tu peux trouver des compagnons en faisant des activités. Donc là, par exemple, dans Tourment. Voilà. C'est très secondaire, hein. Je pense que tu peux tout à fait te passer de tout ça. Tiens, j'aurais dû faire ça. Il y avait un bijou. Ouais, c'est une sorte de mini-jeu. Pas ultra fun, honnêtement. Mais bon, il y a des bonus, donc on fait. Voilà, je vais... Merci Ti... Salut. Merci Tima Dasha pour ce deuxième mois. Merci à toi. Je vais couper la rediffo si elle est arrivée sur YouTube. Eh bien, tant mieux pour vous. Sinon, elle était sur Twitch. Voilà. Des bisous, chère rediffusion.